Je me présente, je m'appelle Ahmed Madi, je suis coach à La Source. Et le club s'appelle United Boxing Club de La Source. On représente comme on peut La Source. J'ai commencé la boxe à l'âge de 10-11 ans au bas de la rivière. J'ai récemment passé les diplômes BMF 1, 2 et 3 pour pouvoir entraîner à La Source. Alors on a le plus jeune de mes boxeurs qui a 7 ans. L'équipe est mixte, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Je m'entraîne dans la salle communale de la mairie. On tourne aux alentours d'une quarantaine de licenciés. Étant donné que tous mes licenciés ont commencé avec moi à La Source, il y a des jeunes, et on est issus de milieux, la plupart sont issus de milieux un peu défavorisés. Donc automatiquement, le rôle d'éducateur, on est obligé de le prendre en même temps que le rôle de coach. Avec mes boxeurs, je suis disponible H24, 24 heures sur 24. Ils peuvent m'appeler pour tout et n'importe quoi. Que ce soit pour un problème à l'école, que ce soit un problème au travail, que ce soit... Peu importe, on en discute et on essaye de trouver des solutions ensemble. Quand on fait de la boxe, il faut impérativement savoir se maîtriser, savoir se contrôler. Il faut savoir se maîtriser mentalement, il faut savoir se maîtriser physiquement parce qu'on apprend un sport qui fait mal. Et automatiquement, si quelqu'un ne sait pas se maîtriser, c'est pas la peine qu'il fasse de la boxe. Samuel Andoche, pour moi, c'est un vrai ami. Il vient, on se soutient mutuellement, je l'aide, il m'aide. Voilà comment ça se passe. Je m'entraîne tous les jours à La Source. J'essaye tant bien que mal de soutenir les parents dans leur rôle d'éducation. À travers la boxe, j'essaye aussi d'apporter des valeurs aux enfants, telles que le respect et la maîtrise de soi. Quand un jeune arrive dans la salle, il essaye de vivre de la boxe, je lui apprends tout de suite que la boxe est une passion avant tout. Il faut avoir un travail, j'essaye de le diriger plus d'abord dans la vie active, travailler, avoir un permis, s'épanouir comme ça, et ensuite faire de la boxe une passion et pourquoi pas un métier ensuite par la suite. Je vis ma passion à travers les jeunes quand ils remportent un titre. C'est ça ma vraie réussite en fait. Alors la boxe reflète la société d'aujourd'hui parce qu'en boxe comme dans la vie, il faut se battre tous les jours et jamais baisser les bras. Bonjour, je me présente, monsieur Aporcha Gilles, animateur bénévole sur Radio Arc-en-Ciel. Je suis bénévole aussi par l'association Cosplay Réunion. C'est une association qui regroupe en fait beaucoup de fans de jeux vidéo, de manga et de fans du Japon en général. Ma passion me vient surtout du Club Dorothée qui m'a montré mes premiers mangas. J'ai appris le japonais à la faculté, mais le parler c'est plus compliqué. Sans pratique, on le perd. Nous avons créé les cosplays à La Réunion. Les cosplays consistent à se déguiser en personnages de manga ou de jeux vidéo qu'on aime et qu'on apprécie. C'est très important pour moi de représenter cette culture à La Réunion, tout simplement parce qu'il y a plein de personnes qui aiment ça, et de les regrouper tous, ça fait plaisir. Je suis animateur radio sur Arc-en-Ciel FM pour l'émission Konnichiwa depuis plus de 13 ans, où je passe des musiques de japonaises, coréennes et asiatiques en général. J'ai aussi été bénévole sur le Salon du Bandi, qui consiste en fait une fête religieuse chinoise. Et c'est très important pour moi ce mélange de culture en fait. La Réunion est quand même une île assez mixte. Donc et partager ça avec tout le monde, c'est vraiment un moment de pur plaisir, de pur partage. Et s'investir comme ça, c'est très, très important pour moi. Je travaille aussi avec une association qui aide les personnes handicapées à mobilité réduite et qui sont atteints de dyslexie. Nous faisons aussi des événements où nous aidons les étudiants de la faculté de Saint-Denis à se déplacer et à se mobiliser en fait. Les actions que je mets en place pour aider les handicapés à la faculté de La Réunion, c'est l'accompagnement des élèves en fait en cours pour prendre des notes ou se déplacer tout simplement dans la faculté. Je pense que le monde associatif aura toujours besoin de bénévoles. Donc n'hésitez pas à vous engager. Bénévolat m'a apporté le professionnalisme qui me manquait et la capacité de prendre des engagements et des responsabilités. Je conseille vivement aux jeunes de s'investir dans les associations et le monde associatif à La Réunion. Ils peuvent se renseigner pour intégrer une association, tout simplement la mairie ou les maisons de quartier qui ont des listes d'associations qui existent.